Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5, Urban FM, la station Urban On Air. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, on parle de quoi? Ah ben, ce matin, nous allons revenir sur la disparition de l'ambassadeur italien Luca Attanasio en République démocratique du Congo. Alors, c'était l'un des plus jeunes ambassadeurs italiens en exercice. Il était présent en République démocratique du Congo depuis 2017, où il était arrivé en tant que chef de mission. Il était devenu ambassadeur de la République d'Italie auprès de la République démocratique du Congo depuis 2019. Et il a été tué dans la province du Sud Kivu, non loin de la ville de Goma, hein, à environ une vingtaine de kilomètres, à côté du parc national des Virunga, non loin du volcan Nyiragongo. Alors, qu'est-ce qu'il faisait là? Eh bien, il semble-t-il aurait subi une attaque, parce qu'il faisait partie d'un convoi du programme alimentaire mondial qui circulait dans la zone. On sait qu'en dehors de l'ambassadeur d'Italie, eh ben, deux autres personnes également ont été tuées. Il y a le chauffeur congolais qui conduisait la voiture à bord de laquelle il se trouvait, et également son garde-corps italien. Alors, il faut savoir que dans cette zone, d'abord, c'est une zone qui est définie comme l'une des zones les plus dangereuses de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs groupes armés qui opèrent dans cette zone-là. Depuis la chute de l'ancien régime de Mobutu Sese Seko en 1997, et surtout à la suite du génocide rwandais, il y a un certain nombre de ressortissants rwandais, notamment Hutu, qui ont quitté le Rwanda et qui sont venus se réfugier dans cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo, d'où ils continuent à mener des attaques armées, aussi bien contre les populations locales congolaises que contre, évidemment, de mener des expéditions du côté du Rwanda. À côté de cela aussi, il y a un certain nombre d'autres groupes armés, notamment le M23, qui est un groupe armé à côté de milices Hutu congolaises, hein, des Nyatura. Donc ces milices Nyatura, avec des mouvements du M23, avec les FDLR, les Forces démocratiques de libération du Rwanda, qui sont constituées d'anciens officiers Hutu de l'armée rwandaise qui avaient participé au génocide et qui se sont réfugiés depuis la fin des années 90 dans cette partie de la République démocratique du Congo. Donc tous ces groupes armés font que, évidemment, il est particulièrement la sécurité dans cette zone-là est particulièrement instable. Et donc, Luca Attanasio se trouvait dans cette zone-là. Il semblerait que, avant que le Congo, déjà, il est interdit de partir de circuler dans cette zone-là de manière individuelle, dans un véhicule individuel. Il fallait que seules les autorisations sont accordées pour les convois. Et il semblerait, malheureusement pour le jeune ambassadeur, qu'il n'aurait pas prévenu les autorités locales de sa présence et de sa volonté de participer à cette tournée avec le programme alimentaire mondial. Parce que selon les autorités du ministère de l'Intérieur, s'il aurait saisi soit le préfet, soit le gouverneur sur le plan local, on aurait mis à sa disposition une escorte sécurisée pour pouvoir garantir, évidemment, son voyage, son déplacement. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et il semblerait donc qu'ils aient été victimes d'un groupe armé. Maintenant, reste à savoir lequel. Le gouvernement de Kinshasa a accusé les Forces démocratiques de libération du Rwanda d'être à l'origine de cette attaque. Ces dernières, par le biais d'un communiqué, ont fait savoir qu'elles n'ont aucune responsabilité, elles n'ont aucun lien avec cette attaque-là. Donc, évidemment, on sait qu'il y a une enquête qui a été déclenchée sur décision des autorités congolaises afin de déterminer les auteurs de ce crime abominable et de les traduire en justice. Alors, il faut savoir que le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, qui se trouvait à Bruxelles au moment des faits pour une réunion avec ses homologues européens, a dû anticiper son retour sur Rome. Et évidemment, le président italien, Sergio Mattarella, a également
a lui fortement condamné cette attaque. Alors évidemment, à côté de des autorités italiennes, les autorités congolaises aussi, en tête desquelles le président Félix Tshisekedi, ont également condamné ce meurtre. Et puis le président du Conseil européen, Charles Michel, lui s'est déclaré pour toutes ses vies perdues et a assuré que l'Union européenne restera aux côtés de la RDC et de sa population pour la sécurité et la paix, a-t-il notamment ajouté. Alors, maintenant, il faut savoir que, évidemment, cette zone, comme je le disais, c'est une zone extrêmement instable sur le plan sécuritaire. Hein. Il faut savoir que le lieu où s'est produit l'attaque, c'est une zone, comme je l'ai dit, qui est située non loin du parc des Virunga, le parc national des Virunga. Il faut savoir que c'est le parc national des Virunga, c'est un parc qui est célèbre dans le monde parce qu'il y abrite d'importantes colonies de grands singes, notamment les gorilles à dos argenté. Mmh. Et c'est une zone également dans laquelle sévissent énormément des groupes armés, parfois qui font de l'exploitation des ressources minières et parfois aussi du braconnage, hein, en s'attaquant à ces singes-là. Il faut savoir que, par exemple, dans cette zone-là, plus de 200 gardes, éco-gardes ou gardes forestiers ont déjà été assassinés, hein, par des groupes armés qui sévissent dans la zone. Et puis, il faut savoir que c'est aussi une autre zone particulièrement instable parce que, comme je le disais, il y regorge énormément de ressources minières et donc il y a des exploitations qui sont gérées par ces groupes armés et c'est ce qui explique aussi en partie leur présence sur cette partie du territoire congolais. Et donc maintenant, évidemment, il reste à déterminer les responsabilités, hein, dans cette affaire et on espère que l'enquête qui va démarrer dans les jours qui viennent, parce qu'il semblerait que les autorités congolaises aient déployé déjà sur la zone des forts moyens en matière de sécurité pour déjà sécuriser la zone et permettre à ce que les enquêteurs, une fois qu'ils seront sur place, puissent commencer déjà à mener leur investigation. Malheureusement, également dans l'histoire de la République démocratique du Congo, hein, ce n'est pas la première fois que malheureusement un ambassadeur est tué. Il ne faut pas oublier aussi par exemple que l'ambassadeur de France à l'époque dans ce qui s'appelait le Zaïre, hein, l'ambassadeur de France Philippe Bernard avait été tué le 28 janvier 1993, hein, lors des meutes qui avaient conduit notamment à des pillages de Kinshasa au sortir. C'était durant la période de transition, hein, durant laquelle il y avait eu notamment le renversement de Mobutu. Non, c'était pas le renversement de Mobutu, c'est-à-dire que Mobutu avait annoncé évidemment qu'on changeait de régime, on partait du monopartisme, on était au pluripartisme pendant la conférence nationale. Merci. D'accord. C'était durant cette période-là de la conférence nationale, qui était une période particulièrement instable à Kinshasa. Il y avait eu des émeutes terribles en janvier. Mais qu'est-ce 93. Qui justifie le fait qu'il y ait aujourd'hui, la RDC est plus ou moins stable. Qu'est-ce qui justifie que cette partie soit instable et que continue à proférer des groupes armés à l'insu de la communauté internationale et de toutes les grandes forces qui sont capables de stabiliser ça? Tout simplement, comme je l'ai dit, et il ne faut aussi pas oublier que la communauté internationale a déployé dans la zone depuis 1999 le plus fort contingent extérieur de casques bleus. Il y a 50 000 casques bleus en République démocratique du Congo. Donc, comment expliquer que dans cette zone, malgré le déploiement immense des forces de ces casques bleus-là, malgré le déploiement je ne dirais pas immense parfois des forces armées congolaises, mais néanmoins, il y a quand même des forces militaires qui sont là. La difficulté, c'est déjà le fait que ces groupes-là fonctionnent en petits groupes. En fait, ces milices armées fonctionnent en petits groupes, elles sont multiples, donc elles n'ont pas toutes les mêmes origines, elles n'ont pas toutes les mêmes objectifs, elles ne sont pas constituées de mêmes personnes. On a parfois des groupes qui sont des Hutus rwandais qui sont réfugiés en République démocratique du Congo, on a des Hutus congolais, parfois on a également d'autres groupes armés qui sont contre le gouvernement central de Kinshasa, notamment le M23. Mmh. Donc on a toute une pléthore de groupes armés qui sévissent dans la zone et qui, pour pouvoir survivre, font de l'exploitation. Elles exploitent de manière illégale les ressources minières qui sont dans la zone. Elles exploitent également de manière illégale les ressources forestières. Et donc c'est grâce à ces subsides-là qu'elles arrivent à récolter qu'elles peuvent évidemment continuer à
à commettre des crimes. Et puis, bien entendu, elles font aussi dans le kidnapping. Et il ne serait pas étonné de constater que l'enquête va nous déterminer que c'est certainement pour avoir tenté de les kidnapper que cette attaque avait été menée. Et malheureusement, ils n'ont pas pu arriver à leur fin. Et malheureusement aussi, il y a eu la perte de ces trois vies-là. Mmh. Hein, donc l'ambassadeur d'Italie, son garde du corps et le chauffeur congolais qui les accompagnait. Et donc, c'est ça en fait. Depuis plus de 20 ans, malgré une forte présence, comme je l'ai dit, des casques bleus onusiens, malgré des millions, des dizaines, voire des centaines de millions de dollars qui ont été déployés pour essayer d'armer l'armée congolaise, pour lui donner les moyens de pouvoir évidemment ramener la sécurité dans cette zone, rien n'y fait. C'est toujours une zone aussi instable. Il y a eu des moments fort où vraiment les populations étaient les victimes des exactions. Il y a aussi des petits moments où on assiste à des espèces d'accalmie, mais les populations dans ces zones-là sont régulièrement les victimes d'attaques de groupes armés. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur la situation en RDC ce matin dans l'Euda Fresh Morning, le réveil matinal plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale, on reste connecté et on se retrouve juste après. Fresh Morning.